Il est 19h, c'est un nouveau stream The Big Gamowski. Il va être consacré au shmup. Et pourtant, je vais vous parler de ma queue tout le long. Donc c'est un stream 18+. Et donc, en introduction, je vais vous mettre un morceau de circonstance par le grand, le génialissime Augustin Palestine himself. Je suis tombé malade en visitant un bordel. C'est un constat bien maussade. Je suis allergique aux femelles. Leurs plantes sont vénéneuses. J'ai bien compris la leçon. J'ai chopé sur les muqueuses tout un tas de champignons. Je suis allé tout de suite consulter un médecin. Il a ausculté ma bite et m'a dit d'un air mutin: appliquez-y de la glace, elle va bientôt se remettre, mais elle va perdre, hélas, 3 ou 4 centimètres. Un matin, je me réveille, mon gland est tout boursouflé, des petites taches vermeilles le recouvrent tout entier. J'ai couru à l'hôpital dans l'espoir de guérir, mais en baissant mon futal, l'infirmière s'est mise à rire. J'ai mis de l'antiseptique tous les matins, tous les soirs. J'ai pris des antibiotiques et puis j'ai perdu espoir. J'ai dû renoncer au sexe, aux putains les plus minables, car même avec du latex, je n'étais pas présentable. C'était l'histoire de ma pine, j'espère qu'elle vous plaira. C'était ma meilleure copine, c'est sûr qu'elle me manquera. Elle est tombée sur le sol lorsque je prenais ma douche. Je l'ai mise dans du formol et plus personne n'y touche. Ah, merci à toi, Augustin Palestine. Tout ce talent, toute cette unicité. Le Georges Brassens des années 2020. Oui, je ne vous le cache pas. Allez voir sa chaîne, hein, vous verrez, c'est très très rigolo. Il a des morceaux comme ça, tout un registre où le cynisme côtoie le cyclisme. Et c'est juste grandiose. Augustin Palestine. Je vous ai mis le lien dans la description. Allez lui faire un coucou, ça mange pas de pain. Oui, c'est un vrai artiste qui existe. Et je ne déconne pas. Et on va donc revenir au sujet de notre stream. C'est un shmup qui va me faire parler tout le long de ma queue parce que c'est Saint Dragon. Et Saint Dragon, les cadres là tout de suite, ils commencent à avoir des frissons. Ils font: oh, chérie, tiens, prends les ghosts, occupe-toi du reste. Faut que je regarde ce stream, il est trop bien, ça me rappelle. Tu te souviens? Et oui, la myrtille a encore frappé. Saint Dragon, c'est un jeu qui a eu son succès dans les années pré-90. Puisque, non content d'avoir envahi les salles d'arcade, il est venu très tôt s'inviter sur toutes les machines quasiment existantes qui faisaient du home entertainment, que ce soit des ordinateurs ou des consoles de jeux. Très personnellement, j'ai jamais été fan de ce titre, puisqu'il avait tendance à me mettre, moi j'avais la version Amiga, et il avait tendance à me mettre d'énormes dérouillés. Chose que ma fierté a pris en grippe et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une certaine appréhension pour vous emmener explorer Saint-Dragon, puisque je pense que ça va me coûter un max de crédit. Je vais juste baisser son, parce que c'est peut-être un petit poil fort et vous avez peur. Restez, 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 ce n'est pas la famille Adams. Oui, moi aussi, quand on m'interpelle à coups de cornes de brume, je suis un peu inquiet. Voilà l'objet du crime! Donc, un petit dragon, et en fait, tout le monde a compris que la zone qu'il représente, ça n'a pas du reste démoli, non. Tout ça pour avoir le plaisir de remettre la corne. Quel pervers, c'est le développeur, des fois. Mais bon, vous l'avez bien compris, on retrouve le principe du vaisseau, malgré que ce soit un dragon, puisque la partie sensible, c'est la tête. Et il se protège avec quoi? Avec sa queue. J'ai pas bullshité, quoi. Donc, ramenez les enfants, hein, c'est pas 18+, mais... Voilà. Je vais faire un grand usage de ma queue et je tenais à ce que ce soit clairement dit au démarrage du stream. Je redoute, je redoute, je redoute. Alors, il y a différents bonus à collecter comme d'habitude, mais je me rappelle plus du tout desquels. Donc, on aura la surprise de les découvrir ensemble et on va vite enlever ce... Oui, il va falloir du crédit, je crois.
Regardez. Un dragon, c'est une tête, mais c'est surtout une queue. Voilà. Donc, le truc qu'il faut pas que j'oublie, que je garde en ligne de mire, malgré que j'ai ma queue qui me gêne un petit peu quand elle me passe devant les yeux, eh ben, c'est que... Pourquoi je me racle la gorge? J'avais vraiment un chat. Bah, c'est que... N'ayant pas de bombe, et juste ma queue et mon couteau, et mon tir laser éventuellement, que je peux upgrader, il va falloir que je me serve de ça comme bouclier. Et oui, faut y penser en permanence. Et c'est grâce à ça que vous réussirez peut-être à avancer dans le jeu, et peut-être le 1CC, et peut-être revenir ici me remercier dans les commentaires en me disant « Ah, monsieur K, mais sans toi, j'aurais jamais pu one credit ce jeu. » Puisque tu m'as donné dès le démarrage le secret pour pouvoir lui mettre une branlée. Et oui, on n'est pas avare dans The Big Game of Skill, c'est la grosse classe, quoi. La grosse classe, peut-être des petites coucouillettes, mais regardez-moi ce truc. Fantastique, non? Alors oui, en 2018, le soft montre un petit peu de raideur. Je suis le premier à l'admettre. Ceci dit, regardez, il ne vous fait pas redémarrer trop loin, comme un manché. Et puis c'est jouable du coup, une fois qu'on a pigé l'histoire de oui, bien se servir de cette extension. Oui, j'ai essayé d'éviter de le dire. Mais c'est une queue, hein, je vous rappelle. De cette queue pour protéger votre petite tête trop sensible quand ça va mal se passer. Ah, vous avez tout pigé au soft. Hugues. Ouh, que t'es énervé, toi. Ou que t'es colère. Oui, je me mets d'avance ma queue sous le nez. Ah, à noter que les lasers passent à travers ma queue, ça va être gênant, ça. Et je repars au même endroit, je suis un peu triste. Par contre, il me met un bon tir pour redémarrer, ce qui est fort sympa. On va finalement s'entendre, Saint Dragon, même si je suis loin d'être un saint. Enfin, pas avec cette écriture-là. Oui, bah ça c'est l'âge, hein, vous verrez, quand vous aurez un certain âge, ils vont commencer à pousser, hein, et pas que chez les filles. Comment ça je meuble avec des trucs qui n'ont rien à voir? C'est totalement en rapport, hein, on est dans un mag mid-life gamer, je rappelle. Donc c'est des gens qui étaient beaux et qui vont tomber en décrépitude et il faut qu'ils soient préparés. Donc faut les travailler un petit peu, quoi. Et oui, c'est en disant n'importe quoi qu'on fait des anchois. Aïe 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 aïe, je m'assois pas. Trop de projectiles, Dr. Jones, trop de projectiles. Mes deux yeux ne suffiront pas. Aïe, 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 je sens qu'il va être méchant. C'est un bonus, hein? Ah! Sa mère! Oui, j'ai trop regardé uniquement une partie de l'écran. Je vais me reculer. Je m'éloigne du micro. N'ayez pas peur. Restez! Vous aimez quand je vous parle de ma queue. Alors, on y retourne. Bah, je peux déjà spoiler, hein. Saint Dragon, est-ce que c'est validé? Oui, 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 oui. Est-ce que c'est dans les tops? Eh ben, même si perso je n'aime pas le jeu, je vous garantis qu'il va aller direct dans les tops. Parce que la jouabilité, elle est super agréable. Le principe de jeu bah, insuffle juste assez d'originalité pour qu'on n'ait pas l'impression d'avoir une rebombe de X ou Y titres. Arrête de jeter sous le tir. Peut-être arrêter de parler 2 minutes, le temps de passer ce passage un peu chiant. Et pouvoir exprimer justement ce que j'ai essayé de dire sur sa jouabilité qui me fait un peu souffrir du coup. Regardez-moi cette position de four que j'ai à l'attaque, toujours caché derrière mon énorme, ma gigantesque queue qui me permet comme ça de passer et de me cracher tout seul sur le décor. Oh, j'arrivais au boss. Faut que je vous fasse voir boss les enfants. Pas de boss, pas de chocolat, pas de bras, pas de boulettes, rien. Mais en plus, je joue comme une bite. Oui, aujourd'hui, une merde, ce sera pas adapté. Je jouais comme une bite. On va voir ce boss, les amis, je vous le dis. Il faut que notre curiosité, notre soif de découvert soit étanchée. Oh, putain! Tout dans la queue, hein. Tout dans la queue, le gars. Je suis le Rocco du shmup. Ça va être facile, mais c'est pour ça qu'il fallait absolument que j'aie le piège. Alors le décor tu es vite c'est méchant, les méchants tu es vite c'est méchant, les boulettes tu es vite c'est méchant. Est-ce que je dois éviter d'autres les bonus tu les prends, tu te mets bien caché derrière ta queue,
tel le lâche de base. Il va me faire chier en bas. Je sais pas pourquoi. Tu sautes toi? Non, tu sautes pas, t'es pas comme ça. T'es un ami. Les produits bovins sont vos amis pour la vie. C'est pas les produits bovins, on me souffle en régie. Pourtant j'avais l'impression. On ne fonce pas sur moi. Ton ou notre fonce ennemi. Pourtant un taureau, ça a tendance à un petit peu foncer. Hein, et ça, ah, papa. C'est l'émotion. L'émotion, je me suis craché d'émotion. Bon, je remets pas de crédit les amis, hein, mais j'aimerais bien vous le faire voir mort, cet animal, qu'on puisse se faire un petit barbecue. Tranquillou entre nous. Parce qu'il doit y avoir à bouffer là-dedans. Comment ça, c'est que du métal? Bah, on peut pas tout avoir non plus. Comment ça, je prends mon air où je parle un petit peu accéléré parce que je suis paniqué? Pas du tout, je suis d'une zénitude, regardez-moi ça. Ma queue et moi, nous sommes en train de faire un maximum de dégâts dans ce tableau, donc je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Ah, un crash dans le décor à nouveau. Infirmière. Je ne l'ai pas fait exprès, sérieusement. Les gens, ils croient que je fais exprès de jouer comme une burne des fois pour faire voir aux gens que eux jouent mieux que moi. Et je vous garantis que c'est pas du tout le cas, les gens jouent mieux que moi déjà une. Et puis des fois j'arrive à me déconcentrer tout seul. Non, non, je boude. Tu as un jeu très bien, tu as un jeu sélectionné, tu es même dans le top. Mais je ne continuerai pas, puisque c'est toi, public, qui ira enfin jouer tout seul avec ta queue de dragon pour parcourir les nombreux niveaux de Saint-Dragon, ce petit jeu formidable qui a laissé, bah, essayez autour de vous, hein, si vous avez des gens qui ont 40-50 berges en 2018. Vous dites Saint-Dragon, vous allez voir la tête. Si ces gens-là avaient des consoles et des PC à l'époque, ils peuvent que lever un sourcil. Et ils auront très bien entendu. Alors, on va pas revenir à l'écran titre, sinon on va se prendre la corne. Ce qui après le taureau me semble naturel, mais vu qu'on a parlé de queue tout le long et qu'il y avait un taureau, une corne. Je vais arrêter ce stream, c'est en train de partir en sucette. Ça n'a ni queue ni tête. Enfin si, ça a de la queue, mais point de vue tête, il n'y a plus personne au guidon. Je vous laisse les playlists habituelles, je vous fais des bisous. Comment ça, vous voulez pas me faire de bisous aujourd'hui? Bon, d'accord. Et je vous dis à demain, 19h. Ciao. Ça sous-entendrait que j'ai une tête de nœud, ça. Oh, les salauds.